salon bien-être. Par rapport aux années précédentes, on l'a nommé bien-être uniquement parce que le bien-être répond à des besoins tant sur l'esprit que sur le corps. Et donc, on n'a pas voulu se limiter à beauté bien-être ou forme et bien-être. Donc là, vraiment, le bien-être, c'est dans sa globalité. Et pour vous faire un tout type du salon, je vous propose de commencer par un cours de Zumba qui est gratuitement tout le week-end pour vous dépenser un peu. Ensuite, après ces tours de Zumba, vous pouvez faire un tour sur notre marché local bio qui est novateur cette année puisque c'est la première année que l'on met en place avec un distributeur local qui a fait venir ses producteurs locaux. Vous pouvez vous restaurer sur ce marché local bio. Ensuite, pour digérer tranquillement, vous pouvez également voir les différentes associations qui sont présentes pour adhérer à des projets de vie par rapport à l'environnement, l'écologie, voilà. Vous pouvez également participer à des massages, vous avez des massages qui vous sont proposés gratuitement. Donc toujours dans le côté relaxation après la Zumba et avoir bougé. Et puis vous avez tout le côté beauté également, le maquillage pour prendre soin de son corps. Et vous pouvez également vous organiser un petit séjour puisqu'on a du tourisme vert et du tourisme détente. Activité qui est assez festive. Et donc, de par la musique latine, quand même, qui met de bonne humeur, et le fait qu'on puisse se dépenser, brûler des calories, bouger, sans spécialement en avoir l'air, parce que on bouge sans vraiment faire, c'est pas comme du vrai fitness, c'est un mélange de danse latine et de fitness. Donc, le fait que ce soit ce mélange-là, peut-être qui plaît beaucoup. Sur notre stand, c'est un stand de shiatsu. C'est un art japonais de pression-relâchement sur les méridiens de l'acupuncture, simplement pour faire de la relaxation, du bien-être, pour détendre les personnes, notamment du salon.